premier jour du mois de février. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous pour capable présenter l'édition nouvelle. C'est là. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi et un très bon mois de février sur la télévision nationale d'Haïti. Mais grand point qui a dominé l'actualité, un atelier de travail a déroulé mercredi 31 janvier entre le président de la République, Jovenel Moïse, et le conseil supérieur pouvoir judiciaire. Kishita sur votre frère dans Pétionville. Débat a été centré sur renforcement appareil justice là à plus bon condition relation entre pouvoir l'État. Direction générale impôt DGI prolongée jusqu'à 28 février qu'a venir là date limite pour monde capable faire déclaration définitive impôt sur ça sur l'argent que yo rentré. Et puis, commission qu'il tire à communication dans le Sénat République, là, Chita parlé hier mercredi, avec ministre qu'il tire à communication, Ron Limon Toussaint. Dossier organisation carnaval dans tout le pays, tenant mi-temps discussion. Et puis, à l'étranger, Torchon continue à bouler entre FBI et administration Trump-là. Entourage président américain menacé pour les capables de publier. Il y a un document confidentiel qui t'a montré que la police fédérale n'a pas participé contre l'administration Trump. C'est pour ça que quelques autres n'a pas pour ne pas porter pour le journal là n'a pas petit coup de poste pas déplacé n'a pas tourné. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour développement information. Et je note que dans le grand titre, un atelier de travail a déroulé hier mercredi 31 janvier entre le président de la République, Jovenel Moïse, et le conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, Kishita Soud Frère, dans la commune de Pétionville. Débat a été centré sur renforcement appareil justice là. Avec plus bonne relation entre trois pouvoirs, l'État et eux. Reportage, Sabine Jean-Etienne et Janelle Duvernay. Ça fait deuxième rencontre de travail, président Jovenel Moïse avec Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Objectif là, c'est arriver à poser tout gros problème qui entravait bonne marche secteur ça, tant que modèle justice là, détention préventive prolongée avec revendication CSPJ. J'espère que, en trouvant, en touchant la paix du doigt, vous pouvez faire un bon diagnostic, en même temps trouver le médicament pour vous. Bien cicatriser cette plaie. Et voire même guérir le mal. Équilibre entre trois pouvoirs l'État et puis on apparaît justice remembrée, c'est qu'être la priorité chef l'État depuis 7 février 2017 l'elle montée sous pouvoir. Président Jovenel Moïse Klesoussa, aucun pays pas qu'à marcher bien si gain corruption, impunité et mauvais système carcéral. Cette rencontre, cette fin de travail que nous allons faire ce matin va nous donner la possibilité de trouver des pistes de solutions sur cette voie pour la corruption, l'impunité et la surpopulation carcérale. Je vous remercie le conseil. Je remercie particulièrement le président pour l'invitation. Nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Nous allons travailler pour la nation, pour le bien de ce pays, pour les générations futures, pour permettre aux Haïtiens, aux Haïtiennes, d'avoir un lendemain meilleur parce que, comme je l'ai dit chaque jour, la justice élève une nation, mais l'injustice est le problème. Il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement sans une justice équitable. Après environ 2 heures de temps d'échange, à la tête de CSPJA, M. Cantave Jules fait qu'on est démarche pour renforcer le pouvoir judiciaire sous bonne voie. Participants sont d'accord pour faire une autre rencontre de travail, même genre, dans un temps qui n'est pas trop loin.
Nous prenons les au niveau de l'autre pouvoir dans l'État, qui est le pouvoir législatif. Là. Dans le Parlement haïtien, puisque il y a un membre de la commission qui est à communication dans le Sénat République, qui est à parler hier mercredi 31 janvier avec le ministre qui est à communication, Limon Toussaint. Dossier organisation carnaval dans tout le pays a été en mi-temps discussion. 186 250 000 goudans, c'est quantité l'argent qui dans budget a dans budget carnaval là d'après président commission Kilti à communication sénateur Gracia Delva qui est dans micro Fernand Confident avec Moïse Lubich. Nous parlons sur question sécurité dans carnaval là et que les qui nouveau que nous sommes gardés avec ministre culturel comme président par là président commission par là que nous demandons pour la justice. Et ils sont d'accord avec nous. La justice a sous place pendant le carnaval. Là. Et des fois, il y a des gens qui font des bagarres dans le carnaval. Là. Et puis, il y a des gens qui ont tout le tribunal là-dedans. Qui tout le tribunal là-dedans. Ça demande qu'il y a tout juge sous fond bagarre qui mal. C'est pour arrêter, apparaître. Et même au cas surtout, peut-être une rencontre que quelqu'un peut faire avec le comité carnaval. Là. Et si il y a des bagarres que le comité a demandé pour faire, pas respecter. Nous parlons tout de critères. Et pour que Ondiaz participe dans le carnaval là pendant 3 jours de filo. Et une baga qui était intéressé nos jeunes disant parce que pays en doit connaître c'est combien cob cap dépasser dans le carnaval là. OK? Et dans pouvoir de contrôle on a fait et yo gon prévision que yo fait de 186 250 000 gouttes qui a cherché en fait trésor public déjà ba 50 millions et dans 50 millions et qui ce que nous déposer ministre là stagno espacio la venue sur champ de masse là pays a pas jamais connait qui ça comme ça fait et je dis un pays a bonne chance pour connait qui ça comme ça fait et c'est je dis m'a pas prendre que son bénéfice que ministre a cherché de 16 millions de gouttes pour que limiter hein, et sous ce cadre que la société a. Et le sale pour le garder avec sponsor, avec secteur privé, pour son escobe là. Nous satisfaits, mais nous continuons à rencontrer avec eux toujours, parce que automatiquement, au fin de sortie, nous continuons à rencontrer avec eux et nous avons besoin d'un rapport qui bien détaillé sur des points escobe là pour la nation qui connaît. Et nous avons l'autre côté que nous pouvons faire. Fondation 6 millions de gouttes, ce n'est pas 6 millions de gouttes pour nous, 6 millions de gouttes pour les gens. Pour les gens qui pourraient aller. Hein, qui pourrait aller ou même qui pas pourrait venir dans le carnaval, c'est des gens qui pourraient aller dans le camp, c'est des gens qui protestent. Parce que je dis, hein, et le gain carnaval, moi-même, pas dans le champ de masse là, mais que de l'autre monde, tout, c'est dans le camp aller. Et dit, il faut que nous tenions compte de eux. Et nous gardons la 6 millions de gouttes, mais nous avons une réponse que le ministre de Tébano avec le directeur général, même si vous n'avez pas de 6 millions, nous pas le dégager quand même, on fait quand même, puis au pour que nous joignent et pour payer, qu'on est le n'apprimette comme ça, n'apprimette avec organisation, monde qui n'a la culture. Dans même dossier, c'est là, ministre Kilti à communication, Limon Toussaint, bon côté par lui, fait qu'on est toute disposition déjà prend pour bon déroulement festivité carnavalio dans le pays. L'étonnamique au fil de la confident avec Moïse Obuch. C'est une rencontre qui sorti très satisfaisant côté que nous entendons sur certaines choses et li là pour les contrôler et nous bal toute explication que li mérité sous question carnaval là qui en faveur population haïtienne là, et pour faciliter bon déroulement carnaval là en dans pays là. Nous t'ai parlé sous question de budget, sous question de choix groupe yo, nous t'ai parlé de différents défilés qui viennent pour fête et nous t'ai parlé encore que d'autres religions qui doivent joindre support l'État parce que il y a diverses façons que moun yo capable épanouir. Nous prévoit un budget de 186 250 000 gouttes. Trésor public déjà gain 50 millions qui là et nous dit que l'autre 16 millions nous prévoit avec question de stango côté chaque ministère a payé stango, chaque monde qui a besoin, chaque institution a payé stango. Et secteur privé a tout à bail sponsor pour nous capables arriver connecter ça pour bon déroulement carnaval là. N'après poursuivre avec information nous te dit tout dans grand titre direction générale à impôt DGI prolongé jusqu'à 28 février 2018 là date limite pour mon capable faire déclaration définitive impôt sur l'argent offert
Directeur général IMPOA Miradin Molan, qui t'a parlé dans une conférence spéciale au ministère communication organisée hier mercredi en occasion de contribuables pour capable profiter prolongation ça pour faire déclaration yo pour yo pas tomber en bas sanction la loi. Rachel Sefort avec le roi d'Alie Jean-Jacques sur place y a présenté nos reportages. Permettre plus monde faire déclaration définitive impôt sur revenu yo. C'est raison ça qui fait responsable direction générale impôt yo DGI prolonger processus là jusqu'à 28 février comme date limite. Problème affiliation moun encombrement dans bureau DGI yo. C'est quelques autres raisons qui expliquaient prolongation date ça d'après explication directeur général impôt Miradin Molan. La déclaration définitive d'impôt est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Mais faute de négligence ou bien pas de mauvaise foi, parce que mauvaise foi est trop fort pour me dire à citoyens haïtiens, frère avec ce mieux. Donc nous décidons de une prolongation jusqu'au 28 février, non avec Jean Long, jusqu'au 28 février pour tout le monde capable de vivre effectivement produit déclaration définitive yo, sans problème. Au niveau de la DGI, dans tout bureau DGI, yo disposé des agents, agents yo, c'est agents qui pour accompagner nous dans déclaration, dans l'envin produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu, sinon pas capable remplir pour compte non. Tout salarié mon qui fait activité qui rentre l'agent doit venir actif, ni fio pour faire déclaration définitive impôt yo, ça capable de bénéficier l'autre service. Mon a besoin s'il c'est salarié, mon a gain pour aller dans le ministère des finances, pour aller dans au niveau de la direction générale du trésor pour le faire sortir en état d'émargement pour lui. Moi dis s'il c'est salarié l'État, s'il n'est public, ça va gagner ou gagner pour demander patron dans un relevé côté que ça le prélever sur moi côté le versil pour le prouver ça, vous comprenez question là, pour le prouver ça, pour le prouver ça et que leur vient remplir livret de déclaration définitive d'impôt là pour capable faire déduction sur vous, pour capable pas subir double imposition parce qu'automatiquement il va avoir relevé. Eh bien, ou vi nous doit toucher tant comme vous pouvez que c'est tant qu'on va toucher sous montant on va là c'est sous l'IAP taxe normalement. Directeur général Miradin Molan explique que DGI a travaillé sur un nouveau système pour améliorer qualité service là pour la population hein. Ça aide à combattre évasion fiscale, corruption et puis résoudre problème enregistrement plusieurs fois dans le système là. Yon l'autre côté, directeur général là explique dans mois qui vient là, il a démarré avec service paiement avec déclaration en ligne. Dans l'idée pour permettre population jeune service tout côté. Merci Rachel Sefort à Clorore Dali Jean-Jacques. Dans notre dossier touriste ministre touriste et industrie créative la Colombe Émilie Gessiminos signé mercredi 31 janvier un protocole accord avec responsable plateforme Airbnb. À travers accord ça l'état haïtien ba responsable Airbnb yo liberté pour yo capable aider moun ki vle louer kaya à travers internet pour yo ka fè ça en toute sécurité. John Herbie ka sey ça à Jordanie Bozila a présenté nos quatre rendu. Airbnb c'est une plateforme en ligne. Li gen pour mission aider moun louer appartement sur internet. Plateforme ça qui basée San Francisco dans pays États-Unis déjà présent dans plus passé 92 pays sous la terre. À partir du protocole Akosa qui signe entre l'État haïtien et responsable Airbnb, moun ki vle loue touriste kay ou soit appartement ap capable faire li plus facile. Concerné a bien pour ouvrir un compte sous site Airbnb, la poste photo kay la et puis fourni toute information sous kay sa. C'est pour mettre photo passeport ou bien une carte d'identité nationale pour identifier qui est ce que légitime. C'est pour prendre photo propriétaire, on met elle sous site. Comme propriétaire, on va décider combien on va charger pour lui. Et puis, il dit que de l'autre détail, il y a un processus qui est très facile. Initiative ça, rentrer dans le cadre des démarches l'État a mené pour encourager plus de touristes à visiter le pays, selon le ministre du Tourisme et Industrie Créative, là, Colombe Émilie Gessiminos. Avec téléphone seulement, vous faites photo là, vous mettez sur la plateforme. Non? Et puis, vous leur dites que vous avez vu le champ de Kailan, mais vous avez vu le Kailan en entier. Donc, c'est comme ça que vous êtes présent
c'est pour nous faire bien bien, pas gagner l'hôtel, il pas gagner, c'est partenaire pour gagner, il partenaire à travers le monde. Donc il y en a 65 000 villes, il y en a 191 pays et je viens jeudi là, yo en Haïti tout et a bien signé un protocole d'accord de façon que le ministère touriste lui-même capable au moins assurer service que on va bailler parce que nous va signer un protocole d'accord avec eux. Pour montrer que tout le monde, même qui n'existe pas capable de faire, mais comment est-ce qu'on va rentabiliser. Responsable Airbnb, il est prêt pour organiser un séminaire de formation dans l'intention de tout citoyen qui est intéressé à rentrer comme membre de la plateforme. Dans l'occasion de la conférence et spéciale ministère de la communication recevoir, mercredi 31 janvier, ministre de l'Environnement Pierre Simon Georges, qui peut précision sur yon ensemble mezi yo pran pour capable protéger la population haïtienne et l'environnement. Exploitation minière yo produit non biodégradable qui difficile pour capable recycler ak oiseaux migrateurs ak gibier dans l'eau yo. Ces différents points ça yo ministre Pierre Simon Georges t'a abordé dans la conférence c'est là. Rachel Sefort ak le roi d'Ali Jean-Jacques t'es sur place. Gen deux gros bagailles qui fait que jodi nous comme pas ouais oiseaux nous yo encore. Premièrement c'est déboisement, deuxièmement c'est la chasse grâce à gros programme que nous mettons sous pied qui c'est les centres de germoplasme. N'a pas travaillé en pile pour nous arriver reboiser pays là. Jean gouvernement Mandel, Jean président Mandel, Jean nous connaît yo mandé nous ça dans feuille de route nous. Pour nous permettre maintenant que les oiseaux yo capable tourner vienne et na flore là, vienne dans faune là, excusez-moi. Vini encore faire beauté nature. La beauté environnement. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous demandons un moratoire de 3 ans. Moi, c'est pipiti délai. C'est le moins que le ministère est capable de demander pour permettre que les oiseaux retournent encore. Et puis, après, nous avons gagné une chasse qui est régulée. Ti séminaire collège Saint-Martial a gagné un nouveau bâtiment local tout neuf ça inauguré mercredi 31 janvier pour permettre à élèves qui dans classe primaire continuer suivre cours sans problème. Cérémonie inauguration ça déroulé en présence archevêque métropolitain Port-au-Prince Max Leroy Mésidor et puis quelques anciens élèves institution Sila. Ensemble travail pour mettre bâtiment sa campé rive possible grâce à fermement construction Komaza. En nous suivant un reportage avec Rodney Doléan et puis avec Pierre. Petit séminaire collège Saint-Martial, c'est une parmi diverses écoles qui est écrasée par le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Huit l'année après, responsable dans l'école ça a inauguré un deuxième bâtiment dans l'espace là qui pourra permettre aux élèves qui dans la section primaire continuer à suivre cours. Nous faisons un pile sacrifice et nous faisons un pile parcours. Nous sommes loin. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Nous disons bon Dieu merci pour la force que nous avons chaque monde dans la façon que nous avons collaboré. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas encore fini. Donc bon, gen bay toujours captan nous. Donc bon, primaire c'est fini. Mais nous gen secondaire là qui est encore sur un gars. Et nous pas arrêter là. Donc nous ap travaille toujours très dur pour nous comment nous capable tout de suite dans un temps qui pas trop loin. Nous capable faire quelque chose pour secondaire là. Dans l'occasion, vice-président Chambre député Caleb Deramo, qui est un parmi anciens élèves de l'école SAA, manifesté contentement pour ensemble travail qui déjà fait et puis souhaité yon l'autre bord, partenaire petit séminaire collège Saint-Martial, continuer à collaborer avec l'école là, yon manière pour finaliser reste travail dans l'institution SAA pour section secondaire. Moi, je fais partie de monde
qui est ce grand rêveur de reconstruction Saint-Martial. D'ailleurs, c'est membre amical là. Vous remarquez, malgré fonction de député, moi là, je suis là comme député, je suis là comme ancien de Saint-Martial. Donc ça veut dire son fête de famille qui a fait là. C'est tout en réjouissance. La seule chose en pile dans nous et différents signes là. Dans ce qui concerne la reconstruction Saint-Martial, là c'est reconstruction Louis Lamar. Secondaire là, c'est reconstruction Louis Geffra. Parce que nous ne pas ouvrir sous même l'aile. L'aile primaire a ouvert sous Louis Lamar, l'aile secondaire a ouvert sous Louis Geffra. Donc ça veut dire que c'est tout un pas. Donc pour nous, c'est carrément un rêve qui continue à prendre cher comme réalité. Et nous, on dans la réalité, on a continué à vivre. Et je dis à comme une fonction d'État. Donc ça veut dire quelque part un message de reconstruction. On peut aller d'aller plus loin. Donc c'est rêve pas nous. C'est rêve tout ancien de Saint-Martial. Parce que Babli et année ça fait environ 23 ans. Dans le 95, oui, ça fait 23 ans depuis nous quitter Saint-Martial. Mais depuis nous tourner là sous la cour, toutes les toujours été élèves, c'est le même sentiment d'école là. Donc là, son espace de famille, son espace de rêve. Nous souhaitons reconstruire rapidement et nous chaque abgoumé pour faire petit bâtiment pour le construire. Travail reconstruction premier bâtiment, section primaire, a été inauguré dans la date 15 octobre 2015. Là. Inauguration deuxième bâtiment, qui fait jeudi, mercredi 31 janvier, a marqué finissement ensemble travail reconstruction classe primaire. Nous avons proposé de rentrer dans la question de la santé, dans l'idée pour capable attirer attention population sur problème en santé et puis aider la faire prévention. Yon équipe à Télévision Nationale d'Haïti rencontré 30 janvier 2018 là. Emmanuel Fils Do, yon étudiant mémoire en faculté agronomie et médecine vétérinaire dans l'Université l'État d'Haïti en souris qui capable gagner dans question barbecue qui a vu dans la rue Port-au-Prince. Emmanuel Fils Do identifié plusieurs problèmes santé qui m'a connu à consommation barbecue et puis fait quelques propositions dans façon pour manger cela t'a doué préparé. Woodline Wella et Jean-Robert Chéri a présenté nos comptes rendus. Bon, barbecue lui-même dans mode de préparation, il utiliser charbon de bois et dans combustion directe charbon de bois ça, il capable baou des substances HAP. C'est hydrocarbure aromatique polycyclique et puis AAH qui c'est amine aromatique hétérocyclique. Eh bien, deux substances ça reconnaître cancérigène et yo cancérigène. Lorsqu'on consomme, il peut pas le tuer rapidement, mais il y a une toxicité par bioaccumulation. On monde qui plaît de manger barbecue, la fini par gagner des problèmes cardiaques par exemple, surtout gagner une graisse qui compte tomber. Les gens ont grillé, il y a graisse qui est tombé sous foyer. Hein. Et le poussé en fumée. Mais c'est dans la fumée ça, que vous avez trouvé pour HAP, AAH, nous avons parlé de nous, et HAP, que nous parlons de lien. Quel autre problème encore, barbecue est capable de faire des toxicités, des toxi-infections alimentaires. Ça signifie. C'est le fait que l'aliment soit manqué cuite, et puis les microbes qui sont venus. Qui était dans viande li bail des troubles intestinaux etc. On commence la préparation. La préparation barbecue d'abord ou t'as supposé utiliser dans grillage là, alors utiliser grillant ou t'as supposé utiliser des papiers en aluminium ou bien des papiers de cuisson qui spécial pour couvrir viande pour empêcher que bon contact direct de viande ensemble avec foyer ou même et téléspectateur par exemple cap manger une viande conseil de petit parti noirci ou qu'on ouais et bien faut tient à ce que ou retire petit parti noirci petit parti ouais qui doux en pile là c'est graisse là li pas bon pour santé ou pour monde qui a fait barbecue on t'a conseillé en gras pas exposer viande directement à chaleur là. Et faut ta respecter une distance environ 10 à 20 cm entre côté charbon et viande. Malheureusement, machine barbecue ou pas gagne ça ou des thermomètres à pic. Thermomètre à pic là permet ou ouais degré de température, degré de cuisson pour là à l'intérieur ou bien viande là à l'intérieur. Degré de cuisson là pas supposé dépasser environ entre 74 degrés Celsius et 84 degrés Celsius, il pas supposé dépasser intervalle ça. Et
Et c'est là nous fermons chapitre local là, nous prêts aller à l'étranger. Malgré la justice sans payer, condamné pour lui aller dans la prison pour question de corruption, ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva était populaire dans le peuple brésilien. Ancien président vini dans tête un sondage qui fait dans le cadre élection présidentielle qui est pour faire dans le pays Brésil en octobre qui a venu là. Euronews pour plus de détails. Lula, condamné par la justice, mais pourtant toujours aussi populaire. Selon un sondage de l'Institut Datafolia, l'ancien président brésilien reste largement en tête des intentions de vote pour la présidentielle d'octobre prochain. Il obtiendra entre 34 et 37% des voix au premier tour. De bons résultats qui, selon les médias brésiliens, incitent même son parti à anticiper sa déclaration de candidature. Mais le leader de gauche divise plus que jamais le pays. Selon le même sondage, 40% des personnes interrogées excluent catégoriquement de voter pour lui. Celui qui a été président de 2003 à 2011 a été condamné en appel pour avoir accepté de la part d'une grande entreprise un luxueux appartement. Une cabale judiciaire pour Lula qui a assuré récemment que plus il était persécuté, plus il montait dans les sondages. Et nous avons quitté le Brésil, nous pouvons aller dans le pays États-Unis et nous avons dit un grand titre. Et bien, Tonchon continue à bouler entre administration temple avec FBI après démission ancien directeur FBI. L'administration Trump lui-même a menacé pour capable publier jeudi à la même un document qui était secret dans document ça qui t'a montré côté police fédérale n'a pas participé contre administration Trump. Nous suivons un reportage à Euronews. La bataille entre le FBI et l'administration Trump se poursuit. L'entourage du président américain a promis de rendre public ce jeudi un rapport parlementaire confidentiel qui accuse la police fédérale de parti pris anti-Trump. Le rapport en question émane de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, présidée par cet homme, le républicain Devin Nunes. Le document de 4 pages dénoncerait la partialité du FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. Pour les démocrates, c'est une nouvelle tentative des républicains pour discréditer l'enquête ouverte par le procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et l'équipe de Donald Trump. Le FBI met en doute l'exactitude du rapport et s'oppose à sa divulgation, tout comme le ministère de la Justice, car il contiendrait des informations sensibles sur des opérations américaines de contre-espionnage. Pour nous capables de faire ce journal là, nous pourrons partager avec nous un reportage sur un phénomène très rare, puisque il y a une éclipse solaire qui fait côté gagner millions de monde qui étaient gardés phénomène ça côté la lune te gain couleur sang. Et revenons pour plus de détails. C'est un phénomène rarissime. À peine une fois tous les 20 ans, la lune vire au rouge et en pleine nuit, le ciel prend des teintes crépusculaires. C'est ce qu'on appelle une lune sanguine. Elle se découvre après une éclipse lunaire d'importance. Elle était visible depuis l'Amérique du Nord, la Russie, l'océan Pacifique et l'Asie. Comme ici à Pékin, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour l'observer. Une lune rouge, le résultat d'un phénomène lumineux exceptionnel. Les rayons rouges du soleil ne sont pas réfléchis en traversant l'atmosphère terrestre. Résultat, ils viennent colorer la surface de l'astre. Si vous avez raté ce spectacle, il faudra vous montrer un peu patient, puisque la prochaine lune sanguine apparaîtra en 2037. Pour nous, un phénomène ça encore, c'est en 2037, c'est bon, c'est bon, nous la vie. Et cela n'a fait mes journal là, permettre que nous rappelons un grand point qui domine l'actualité. Un atelier de travail a déroulé mercredi 31 janvier entre président de la République, Jovenel Moïse, et membre du Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, qui est à Sorot Frère, dans la commune de Pétionville. Débat a été centré sur le renforcement de l'appareil judiciaire et plus bonne relation entre pouvoir et l'État. Direction générale impôt DGI prolonger jusqu'à 28 février cap vini la date limite pour moun capable faire déclaration définitive sous l'agent li fait. Et puis commission kilti à communication dans Sénat République la chita parler mercredi 31 janvier avec ministre kilti à communication li mont tout simple dossier organisation carnaval dans tout pays ya tenant mitan discussion yo.
Et puis à l'étranger, torchon continue à bouler entre FBI et l'administration Trump-Lan. Entourage président américain menacé pour être capable de mettre dehors jeudi à là un document secret qui t'a montré police fédérale n'a pas pris contre administration Trump-Lan. Nous te contents ensemble avec vous pour être capable d'informer vous. D'ici là, nous souhaitons passer un très bon jeudi et un très bon mois février sur le territoire national d'Haïti.